Je suis contactée pour faire partie du conseil scientifique de Reacting sur la COVID pour évaluer en urgence les premiers projets, un travail vraiment collectif avec l'équipe de Reacting pour faire avancer les dossiers au mieux dans cette période difficile. C'est ma dernière année comme chercheur à l'INSERM parce que je vais être à la retraite l'année prochaine. Donc ça venait vraiment comme un accomplissement d'une certaine façon, le sentiment d'avoir fait mon travail. Parce que je pense que c'est absolument important que les femmes perdent cette habitude finalement de s'auto-censurer elles-mêmes alors qu'elles ont tout à fait toutes les capacités nécessaires pour faire de l'encadrement, de l'accompagnement des équipes et proposer des projets de recherche tout à fait formidables.